La galère ce mardi matin pour les automobilistes en France, comme ici à Lyon, où il est tombé dans la nuit environ 3 cm de neige. Conséquence des perturbations sur les routes et dans les transports en commun, aucun bus n'était en circulation au petit matin. Météo France a émis un bulletin vigilance lié au verglas qui concerne 28 départements, de la Bretagne à l'Alsace en passant par la région parisienne. Après une période de froid, des températures plus clémentes sont annoncées ce mercredi en France. Dans le nord de l'Europe, à Londres comme ailleurs au Royaume-Uni, la neige est également au rendez-vous à 10 jours de Noël. Des dizaines de vols et de trains ont été annulés. Ce mauvais temps s'ajoute à une série de grèves qui affectent les transports. Seuls 20% des trains circulaient ce mardi selon le principal syndicat britannique. Mais c'est l'Europe du Nord qui subit de plein fouet les conséquences des tempêtes de neige. Le trafic aérien et ferroviaire a été gravement perturbé en Finlande avec de nombreux retards et annulations. Certaines routes sont également fermées. Les responsables des compagnies d'électricité n'excluent pas des coupures de courant en raison de l'ampleur de ces chutes de neige.